Salut les copains, donc je vous laisse deviner quel jeu je vais vous présenter. De toute façon, je pense que vous avez vu le titre. Je vais laisser la présentation et ensuite je reviens. Donc DBZ 3, Super Butoden 3 en japonais, ou Ultime Menace en français, pour ceux qui ont connu la version française. Donc, jeu édité et développé par Bandai, sorti le 29 septembre 1994 au Japon, et bien sûr en France on a attendu encore 6 mois, même un peu plus, puisque sorti en mars 1995. Donc, troisième volet sur la Super Nintendo. Un jeu qui nous propose 9 persos plus un cachet. Je vous montre à la fin de ma vidéo justement ce cadeau bonus avec le code pour débloquer ce personnage caché. Donc vous me direz 10 persos, ben c'est un peu maigre. Et oui, c'est un peu maigre, c'est un peu le défaut de ce jeu. Et deuxième défaut qu'ils ont fait, c'est que pas de mode histoire. Alors ça c'est ce qui a fait plonger la note de 12 sur 20 à l'époque par jeuxvideo.com et par tous les autres magazine. Donc on a quand même à côté de ça quelques améliorations. Le jeu est plus rapide, on a des nouveaux coups, le ki se charge beaucoup plus rapidement. Il y a quand même quelques trucs sympas. Après graphiquement, bon bah c'est plutôt pas mal fait, hein. Je dirais même que c'est un peu plus net que sur le DBZ2. Ensuite du coup, un petit manque de décor quand même, parce que vous allez voir qu'il y a quelques décors similaires en fait, qui sont tout simplement jour et nuit et fin de journée. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas un mauvais jeu, hein. C'est tout simplement un jeu pour moi qui n'a pas été abouti. Ils auraient pu mettre au moins 5 ou 6 persos de plus. Et puis quelques décors en plus et un petit mode histoire quand même. Je pense qu'ils ont tellement vu le succès du deuxième volet qui a cartonné. Ils se sont dit allez vite, on en fait un autre. Et ils n'ont pas. Ils se sont pas foulés quoi. Savoir quand même que c'était des jeux à l'époque. La version japonaise quand elle est sortie, ce jeu coûtait dans les 700 francs hein, à l'époque en francs. Si vous aviez pas l'adaptateur, eh bien, il fallait acheter l'adaptateur à 200 francs, ça faisait 900 francs le jeu. C'est-à-dire un équivalent de 120-130 euros quand même. C'était quand même cher pour l'époque. Alors voilà, on retrouve les persos de l'époque, donc après Cell, pardon. Donc qui étaient Boubou, Dabla et tous ces personnages. Mais je trouve quand même qu'ils auraient pu justement mettre. Les fusions, mettre un peu plus de méchants. Dans le 2, ils avaient mis des personnages comme Bojack et Zangia, qui étaient des personnages de hors-série. Je comprends pas, j'aurais pu faire dans celui-là aussi, en rajouter un peu, pourquoi pas. Donc remettre des anciens méchants, remettre un peu Cell, remettre un peu Freezer en option, en personnage caché. Voilà, ça c'est un peu dommage. À partir de ce volet-là, de toute façon, c'est pour moi, c'est le moment où les séries DBZ ont commencé à devenir un peu moyennes en jeu. Parce qu'après, les suivants sont sortis sur la Play 1. Sur la Play 1, quand on voit le Ultimate Battle 22, ah ouais, superbe intro, super dessin animé en introduction, on se dit, ah, le jeu est super. Et quand on voit le jeu avec une pauvre 3D dégueulasse, d'ailleurs à l'époque il s'était fait démonter par Console Plus, ça je me rappelle bien, il avait eu 70%, c'était une mauvaise note hein, sur Console Plus. Ensuite, sur Saturn, ils en avaient sorti un pas mal, qui était quand même pas mal fait, mais pas sur PlayStation. Et ils avaient sorti aussi une version française sur Saturn, et sur la PlayStation il est sorti que la version japonaise, c'est celui où on pouvait jouer jusqu'à 3 contre 3, je crois qu'il s'appelle Legend si je dis pas de conneries. Ça c'était un super Dragon Ball Z, vraiment bien.
Je vous recommande de le trouver. Vous le trouvez d'occasion encore, hein, et pas trop cher sur la PlayStation en version Jap. Et ensuite, ils nous ont refait un DBZ Final Bout qui était franchement très 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 moyen. Une mauvaise 3D, non, c'était vraiment. C'est vraiment les mauvais. Il a fallu attendre la Play 2 pour retrouver vraiment des bons DBZ en fait. Voilà pour ma parenthèse sur les différents volumes de DBZ que j'ai connus. Donc là, vous pouvez voir quand même que niveau des musiques, bon, elles sont pas mal. Il n'y a pas de ralentissement. Le jeu est facile à prendre en main, tout comme le 2, hein, même maniabilité. On a de belles attaques. On retrouve un peu quelques persos sympas, hein, comme Trunks Petit et Goten. Et justement, ils auraient pu mettre la fusion Gotrunks. Pourquoi? Je sais pas. Par fainéantise. Voilà, comme dans le précédent, on peut contrer, on peut éviter les attaques, on peut les. Il y a les mêmes possibilités. Je vais vous faire quelques combats, comme ça vous verrez un peu tous les personnages. Et après, je vous montre comment développer Trunks du futur. Voilà, ça c'est une autre manière de justement de contrer les attaques, enfin de les parer surtout. J'aimerais bien vous montrer un contre. Et oui, pour moi, une des meilleures des DBZ que j'ai connues et que j'ai vraiment. Mais surkiffé, c'était le Burst Limit sur PS3 et sorti sur Xbox aussi, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un mode histoire génial, plein de personnages, graphiquement super. Pour moi, c'est vraiment le meilleur. J'aurais vraiment voulu un Burst Limit 2. Dommage. Vous voyez au niveau des corps, voilà, ça reste un peu. Ça reste un peu basique. Hein. Enfin, il en manque en fait. Hein. C'est plutôt un jeu où en fait, finalement, faut jouer avec un pote. Parce qu'au bout d'un moment, jouer avec. Contre l'ordinateur, bon, ben voilà. Pourtant, à cette époque-là, la Super Nintendo, ça ne dérangeait pas de jouer, par exemple, à Street Fighter 2 contre l'ordinateur et d'arriver jusqu'au boss final. Là, ils ont mis un mode tournoi, mais bon, on s'en fout, le mode tournoi, enfin, je sais pas. C'est pas le plus intéressant. C'est vrai qu'ils auraient pu aussi rechanger un peu les sprites et des attaques et pas remettre exactement les mêmes du 2. Ils auraient pu ne serait-ce que ne les modifier un petit peu, faire d'autres couleurs. Il faut pas grand-chose des fois pour que ça change vraiment, que ça rajoute un peu de piment. Thank you.
Alors on va un peu remonter le niveau de difficulté justement pour que ce soit un peu plus... Parce qu'en niveau 1, ça c'était facile quand même. Finalement, niveau 4 difficulté, ben, je sais pas pourquoi, alors j'ai dû bugger. Donc on va arriver sur la fin de ma vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Ne quittez pas, je vais vous montrer donc le Trunks du futur, le perso caché, en bonus. N'hésitez pas à partager, liker, poser des questions. Et je vous dis à tout de suite pour le mode bonus. Alors apparemment la capture a bugué, je sais pas pourquoi. Alors, pendant la présentation, il faut faire donc O, X, bas, B, L, Y, R, A. Et vous avez Trunks qui va se débloquer. Je vais vous l'écrire de toute façon pour que vous ne le perdiez pas. On va faire un petit combat avec Trunks pour finir. Un de mes persos préférés. J'ai toujours adoré Trunks du futur. Ah ben voilà, vous allez voir un contre moi. Voilà, il faut appuyer comme un gros dingue sur le bouton A. Et normalement, c'est gagné. Alors c'est un jeu en fait que vous pouvez trouver d'occasion en version japonaise dans les 6-7 euros en moyenne, 8 euros selon l'état, et en français une vingtaine d'euros, en loose hein, je parle. Moi c'est un pote qui me l'a ramené du Japon pour 500 yens je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, ce qui montre la fin de ma vidéo. Bon, je vous dis à très bientôt les amis, merci d'avoir regardé et merci aux Zeroyen Media pour leur partage. A bientôt, ciao ciao les amis.